Coucou tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Non mais sur YouTube, tu veux faire quoi à part des vidéos? Nous voici pour le TMI tag. Too much information. Désolé pour mon accent de merde. Il y a 50 questions, donc je vais commencer tout de suite. Alors, question numéro 1, que portes-tu? Donc je porte un t-shirt noir Quicksilver que j'ai eu à Noël et un jogging Cabanelli qui a 2 ans, donc, qui a un petit peu défoncé. Voilà. Je porte mes chaussons, un peu. Voilà. Je sais pas si vous allez pouvoir lire. Voilà. Alors, question numéro 2. As-tu déjà été amoureux? Donc oui. Question numéro 3. As-tu déjà eu une rupture horrible? Non. Donc question numéro 4. Combien mesures-tu? Donc environ 1m77, je pense, parce que mon père fait 1m76 et je suis un petit peu plus grand. Donc on va dire 1m77, 1m78 à peu près. Combien pèses-tu? Je pèse 84 kg environ aussi à peu près. As-tu des tatouages? Non. As-tu des piercings? Non. OTP, couple favori des séries. Alors, moi ça va être un peu con mais j'aime bien Loïs et... comment il s'appelle? Le couple dans Malcolm en fait, oh là j'aime bien, ils sont marrants. Alors, Loïs et Al, voilà. Alors, ta série favorite? The Walking Dead, voilà, c'est ma série favorite pour l'instant. Là, je vais essayer de commencer Breaking Bad, voilà, parce qu'il y en a pas mal qui en parlent aussi. La série Game of Thrones, perso ça ne m'attire pas, voilà, tout le monde adore. Tout le monde kiffe, mais moi ça ne m'attire pas du tout. Donc voilà. Ton groupe favori, moi c'est pas trop un groupe en fait, c'est plus un collectif. Voilà, c'est Watibé. Voilà le collectif que j'aime bien. Voilà. Quelque chose qui te manque. Mon chien. Voilà. Mon chien, donc je vous mettrai des photos si j'en retrouve sur mon PC. Je vous mettrai des photos là, quelque part. Voilà, donc mon chien que j'ai eu pendant 15 ans. Voilà. Désolé si vous entendez ronfler, c'est ma console parce que mes manettes rechargent. Donc je suis désolé si vous l'entendez ronfler. Voilà. Alors, ta chanson favorite? Donc j'en ai plusieurs. En ce moment c'est Timmy Trumpet. Donc je pense que vous connaissez, sinon je vous mets un petit extrait. Voilà. Et je vous mets le lien de la chanson en entier dans la vidéo, dans la description. Donc voilà. Quel âge as-tu? J'ai 20 ans. Ton signe du zodiaque, donc balance. Voilà, je suis une grosse balance. Voilà. Les qualités que tu recherches pour une petite amie. Il n'y a pas de qualité vraiment que je recherche. Ouais, non, il n'y a pas de qualité. À part, il faut qu'elle aime les animaux. Sinon, c'est foutu, quoi. Voilà, c'est le seul truc. Citation favorite. Je dirais Carpe Diem. Voilà, donc une des citations de Kinvey, hein, si vous connaissez, donc Carpe Diem. Voilà. Acteur préféré. J'ai pas énormément d'acteurs préférés, enfin d'acteurs favoris. J'ai pas vraiment d'acteurs favoris. Couleur favorite, le bleu. Voilà. C'est le bleu, donc.
si vous connaissez un petit peu ma chambre, enfin si vous l'avez déjà vu dans des vidéos, bah il y a du bleu. Voilà, je sais pas quelle couleur ça rend à la caméra, mais il y a du bleu, donc voilà. Musique douce ou forte? Forte. La musique forte, j'adore. Voilà. Où vas-tu quand tu es triste? Bah, l'endroit où je suis en ce moment, donc ma chambre. Ma chambre, c'est mon sanctuaire, c'est mon refuge. Voilà, il y a mes animaux, il y a tout, donc c'est mon refuge. C'est ma chambre. Combien de temps tu restes sous la douche? 10 minutes maximum, ouais, 10 minutes on va dire. Voilà. Combien de temps prends-tu pour te préparer? Donc, moi, on va dire qu'on comptait me préparer par exemple le matin entre le moment où je me lève et le moment où je pars, enfin le moment où je peux partir. Donc ça veut dire prendre le petit déj, prendre sa douche, s'habiller, enfin voilà quoi. Je compte une demi-heure pour être bien, pour pas être trop speed. Une demi-heure pour me lever, déjeuner, pardon. Pour me lever, déjeuner, prendre ma douche, m'habiller. Voilà, nourrir vite fait les animaux s'il y a besoin. Une demi-heure. Voilà. T'es-tu déjà battu? Non, je ne me suis jamais battu. Interne. Bon, la question 24, je la passe parce que je ne sais pas. Enfin, voilà. 25 aussi, je la passe. Pourquoi es-tu sur YouTube? Donc, je suis sur YouTube déjà parce que parler d'animaux avec mes parents, ça les saoule déjà d'avance. Voilà. Dans ma famille, j'ai pas forcément de passionnés. Enfin, donc, voilà, j'ai pas grand monde pour parler d'animaux. Pour voilà. Donc, je me suis dit, bah pourquoi pas faire une chaîne et voilà. Puis vous faire découvrir mes animaux aussi. Donc, voilà pourquoi je suis sur YouTube. Quelles sont tes peurs? J'ai pas vraiment de peur en fait. Ouais non, j'ai pas vraiment de peur. La dernière chose qui t'a fait pleurer, c'était un film, c'était... Bon, vous allez vous foutre de ma gueule, je suppose. Mais c'est pas grave. C'était... Enfin, j'ai pas vraiment pleuré, mais j'en avais un peu les larmes aux yeux. C'était dans le film Marley et moi, voilà, quand le chien il meurt tout simplement. Voilà. Dans un film, je suis plus triste quand c'est un animal qui meurt que quand c'est un humain. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. La dernière fois que tu as dit je t'aime, je ne sais pas. Bonne question. Bonne question. La signification de ton pseudo YouTube. Donc mon pseudo YouTube, c'est mes animaux. Voilà, parce que je cherchais, enfin, je voulais un nom qui soit un petit peu original et tout, et voilà. Et quand j'ai fait mon pseudo, je connaissais pas mes animaux. Le lien de sa chaîne sera en barre d'infos. Il y en a plusieurs aussi. Il y a mes animaux, bah moi, Z-A-N-I-M-O. Il y a mes animaux, Z-A-N-I-M-A-O-X. AUX pardon. Il y a mes animaux Z apostrophe et animaux, enfin il y en a plein en fait. Et j'avais pas fait gaffe quand j'ai fait mon pseudo, sinon je pense que j'aurais choisi autre chose. Voilà. Mais maintenant je me suis habitué à ce pseudo là et je compte pas forcément changer. Même si c'est délicat puisqu'on est plusieurs à avoir à peu près le même pseudo malheureusement. Mais voilà, je ne le savais pas quand j'ai fait mon pseudo. Donc voilà. Donc les chaînes des plusieurs mes animaux que je connais seront en barre d'infos. Voilà. Allez vous abonner à leur chaîne hein, si ce n'est pas déjà fait. Le dernier livre que tu as lu. Mes cours. Voilà, mes cours que je lis vite fait. Voilà. Donc Erwan sait de quoi je parle. Hein. Si tu regardes cette vidéo, tu sais de quel cours je parle. Voilà, parce que moi j'ai toujours pas fini. J'avance à 2 à l'heure, voilà. Le livre que tu lis, bah mes cours. Voilà. La dernière série regardée.
The Walking Dead, saison 3, voilà. La dernière personne à qui tu as parlé, bah, c'était mon père il y a 20 minutes, à peu près, 20 minutes, une demi-heure. Voilà. La relation que tu as avec la personne de ton dernier SMS. Mon téléphone, il est là-bas. Bon, il est sur mon canapé, là-bas. Mes souvenirs, bah, c'est un ami, donc voilà. Selon mes souvenirs. C'était tout à l'heure et c'est un ami. Sauf si j'en ai reçu depuis. Hein, mais... Alors. Ta nourriture favorite? Les gâteaux. Moi, je ne suis pas trop bonbon, je suis plus gâteau. Genre les princes, les chocos, les brownies, les gâteaux. Voilà, les gâteaux. Que ce soit les gâteaux, par exemple, pour prendre 4 heures ou les gâteaux en dessert, les gâteaux, voilà. Les endroits que tu veux visiter, l'Espagne, voilà. L'Espagne, j'aimerais bien visiter. Sinon, qu'est-ce que j'aimerais visiter? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Dernier endroit où tu es allé. Pour visiter. C'était le Maroc avec le lycée. Donc c'était en 2012. Voilà, c'était en 2012. C'était un beau voyage. Une semaine à Marrakech. C'était bien. La dernière insulte reçue, c'était sur GTA Online, ça devait être genre fils de pute ou un truc comme ça. Voilà. Ta saveur de bonbon favorite? Je dirais cola, même si je suis pas trop bonbon. Joues-tu d'un instrument? Non, je ne joue pas d'instrument. Le dernier sport pratiqué, donc c'était l'athlétisme en club, enfin je parle en club, c'était l'athlétisme. C'était en CM1, CM2 ou CM2 6ème, enfin j'en ai fait 2 ans. Et voilà. La dernière chanson chantée, c'était Wati Family de Red Cross, voilà, sur l'album Les Chroniques du Wati Bass volume 2. Je vous mettrai la chanson aussi en barre d'infos, le lien si vous voulez l'écouter. Phrase de drague préférée, j'en ai pas. L'as-tu déjà utilisé? Bah non, donc j'en ai pas. Voilà. La dernière fois que tu as passé du temps avec des amis, c'était la semaine dernière. Enfin, c'était avec un ami et mon cousin, voilà. On a fait une soirée console et tout. Et c'était la semaine dernière. Vendredi soir. Vendredi soir. C'est ça. C'était vendredi soir. Et dernière question, qui tagues-tu? Alors je tague tout le monde. Tous ceux qui veulent faire la vidéo, bah faites-la, voilà. Par contre, petit conseil, ayez du temps devant vous parce que c'est assez long. Il y a 50 questions, voilà, ça donne ça. Voilà ce que ça donne. Donc, ayez du temps pour faire ce tag, voilà. Donc, je tag tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça va pas être trop long. Et voilà, dites-moi en commentaire des idées de vidéos parce que je fais beaucoup de tags en ce moment parce que j'ai pas trop d'idées. Là, je pense faire bientôt, très bientôt, un vlog et des nouvelles des animaux. Mais à part ça, j'ai pas d'idée, donc voilà. Désolé aussi pour mon visage coupé en deux, comme ça. Parce que j'ai mis ma lumière de bureau. Donc voilà. Dites-moi aussi si le cadre vous plaît. Je sais qu'il y en a qui aiment bien les posters. Voilà, 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 voilà. Parce que je trouve ça sympa comme endroit. En plus, je vais vous poser mon PC ou mon cahier, j'ai mon bureau. Voilà. Donc, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.